Le président de la transition, le général Brice Clotaire-Oligui-Nguema, était ce mercredi 25 octobre à Sao Tomé et Principe, pays voisin, pour une visite de travail et d'amitié où il a rencontré le président Carlos Manuel Villanova, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Sur la table de discussion, l'actualité africaine et internationale telles que les questions économiques, culturelles, de transport maritime et aérien. Le général Brice Clotaire-Oligui-Nguema a également discuté avec le premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, Patrice Emery Trovoada. Le chef de l'État gabonais a tenu à rassurer le président sao toméen sur le bon fonctionnement du processus de transition au Gabon qui passe par la restauration des institutions, c'est-à-dire le rétablissement de l'Assemblée nationale et le Sénat, le redressement de l'économie qui passe par la prise de décisions qui ont pour objectif de diminuer la dette du pays, enfin le renforcement et la sauvegarde de l'unité nationale et la paix sociale. Le chef de l'État n'a pas quitté Sao Tomé sans rencontrer la communauté gabonaise. Les Gabonais vivant à Sao Tomé n'ont pas manqué d'exprimer leurs félicitations ainsi que leur soutien au nouveau chef de l'État, lequel a écouté en retour leurs préoccupations. Après le Sao Tomé, le général Brice Clotaire-Oligui-Nguema était reçu à Malabo par Théodoro Obiang-Nguema Bazougou, président de la République de Guinée équatoriale. Deuxième rencontre, après les événements du 30 août, ces visites ont pour but de relancer les relations amicales et de partenariat avec les pays membres de la CEAC et de lever les sanctions décidées contre le Gabon par la CEAC et l'Union africaine. Des échanges ont porté sur l'état d'avancement du processus de transition sur la coopération bilatérale et multisectorielle entre Libreville et Malabo. Au cours de sa visite, le général Brice Clotaire-Oligui-Nguema a réaffirmé une fois de plus au président guinéen son souhait de faire du Gabon une nouvelle république dotée d'institutions fortes. Le chef de l'État, Brice Clotaire-Oligui-Nguema, vient de participer à Brazzaville, au Congo, à son premier sommet en qualité de président de la République du Gabon. Brazzaville a accueilli ce 28 octobre les dirigeants des forêts tropicales des trois bassins de l'Amazonie, Congo, Bornéo, Mékong, en Asie du Sud-Est, dans le but de construire une alliance des grands écosystèmes tropicaux de la planète afin d'unir leurs forces pour la protection de la nature et de la vie sur Terre. Invité par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président de la Commission du bassin Congo, le général Brice Clotaire-Oligui-Nguema a réaffirmé les engagements internationaux du Gabon dans la protection des écosystèmes, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques. Un écosystème est un ensemble d'êtres vivants qui partagent un même environnement. Face à la situation de changement climatique que traverse notre planète, le chef de l'État gabonais a rappelé à l'ensemble des gouvernants présents que le temps n'est plus aux promesses et aux déclarations d'intention. C'est le moment de concrétiser la mise en œuvre de la déclaration des dirigeants de Glasgow sur les forêts et l'utilisation des sols. La déclaration de Glasgow, c'est un engagement pris par les dirigeants du monde afin de diminuer la pollution et donner une aide financière aux pays en voie de développement afin qu'ils s'adaptent au changement climatique. Les grands pays s'étaient engagés à stopper et à inverser la déforestation et la détérioration des sols d'ici 2030. Conscient que ce n'est pas la première initiative, que les accords antérieurs avaient présenté des objectifs similaires et n'ont pas été respectés, Brice Clotaire-Oligui-Nguema a de ce fait invité la communauté des nations à adopter lors de la prochaine COP28 climat de Dubaï, prévue en décembre prochain, à redoubler d'efforts. Si seul on peut aller vite, c'est ensemble que l'on peut assurément aller plus loin. Nous survivrons ensemble ou nous périrons tous. Réveillons-nous donc du sommet de l'égoïsme, a-t-il conseillé. Les grands pays semblent être indifférents face à l'urgence du moment en ne venant pas en aide aux pays en difficulté. Conscient de la force et de la valeur de l'écosystème des forêts pour l'ensemble de l'humanité, le Gabon estime que l'heure est arrivée pour la communauté internationale de soutenir en retour ses efforts. Une aide pour le chef de l'État qui doit s'étendre à l'ensemble des pays des trois bassins forestiers du Congo, d'Amazonie et de Bornéo-Mékong qui abritent les réserves vitales de carbone et de biodiversité de la planète.
Avec 1,5 milliard d'habitants et 80% de forêts tropicales du monde, les bassins du Congo, d'Amazonie et de Bornéo-Mékong concentrent 80 000 espèces de plantes, 4 000 espèces de poissons, 3 000 espèces d'oiseaux et 500 espèces de mammifères. Selon le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, les enjeux sont connus de tous ainsi que les solutions. Il s'agit principalement de préserver les massifs forestiers pour leur capacité à bloquer le carbone et à réguler le climat, apporter l'oxygène vital pour la survie de l'espèce humaine. Le Gabon, couvert à environ 89% de forêts tropicales, a consacré 11% de son territoire à la protection de l'environnement et de la biodiversité à travers la création des parcs nationaux.